plus que moi. Tu sais combien il a payé par mois? 1000 euros. 1000 dirhams. Même les 1000 dirhams, ils ne tournent pas. Donc, ils ont fait venir des filles de Côte d'Ivoire. Payées aux des Ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire. On les vend, les filles. On les vend, les filles ivoiriennes. Eux font comprendre aux filles, donc, on les vend. Ouais. Eux font comprendre aux filles que là où tu vois, vous allez travailler, on va vous payer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pourtant, ils vous ont vendu que vous venez travailler. Voilà. Et donc, dès que les filles arrivent, on les ferme. On les ferme. On prend les passeports. Les passeports. Oui. Garde. Oh, ne sortez pas. La police va vous arrêter. Donc les filles sont au travail. 24, aussi 24. 24. Deux sont à Val-Fleury. Deux sont là-bas en Californie. Même famille, ils étaient attachés. Et c'est les Marocains. Les Marocains qui travaillent. Tellement les filles, ils ne peuvent même pas. Ils ne connaissent même pas s'il y a les Ivoiriens ici au Maroc. Donc les filles même ne sont jamais sorties. On les a pris directement à l'aéroport. C'est sûr. C'est sûr qu'on a arraché les passeports. Ils ont pris les passeports. Et passer ces cas-là. Mais comment vous avez fait pour savoir qu'il y avait. Ils sont en train de venir. Ah, voilà. Maintenant, les deux filles qui sont en mari, tellement ils sont fatigués du travail. Depuis 7 mois, ils se plaignent. Ils ne savent pas comment faire. C'est là où il y a une. Comme ils balayaient au balcon, ils étaient en face. Comme le meuble était en face de notre meuble. Ils voient maintenant, il y a une fille de ménage de l'autre côté là-bas. Une Sénégalaise. Elle appelle. Le numéro de téléphone, est-ce que. La fille sénégalaise, elle se communique, il tourne le numéro de téléphone. Oui. Elle parle, elle se cache, parce qu'ils n'ont même pas assez d'appeler. Oui. Ils ont pris le téléphone, se cache, ils disent, pardon, cherche-nous s'il y a un Ivoirien ici, là, dans ce marron. Nous, nous sommes ici enfermés, comme ça, à la maison, on souffre, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La Sénégalaise, maintenant, elle aussi, elle ne connaît pas. C'est là où la Sénégalaise, elle appelle l'une de ses copines sénégalaises. Oui. Ici au quartier, que là où tu vois, il y a des filles ivoiriennes qui se plaignent qu'on les a enfermées là-bas depuis 8-7 mois, ils ne connaissent personne ici. Est-ce que tu ne connais pas les Ivoiriens ici, là, qui peuvent venir les enlever? Comme l'autre Sénégalais, maintenant, elle vit avec un Camerounais. Elle appelle le Camerounais. Elle dit, ah, chérie, là où tu vois, il y a certaines filles ivoiriennes qu'on a enfermées là-bas. Est-ce que tu peux faire pour les dire? Eux, ils veulent seulement sortir, mais ils veulent même laisser le passeport. Oui, fuis seulement. Oui. Le Camerounais, maintenant, lui m'appelle. Aneka. Est-ce que tu ne connais pas une association des Ivoiriens ici là qui peut venir aider les soeurs? Et c'était donc le jour quand notre jugement est fini. C'était donc quand il sort, son nom il m'appelle. J'appelle Cam. J'appelle sénateur. Ah, avec Alex, on va appeler Grogué. Parce que. Il dit, mais les filles sont dans les ils veulent vraiment sortir. Et moi, j'ai un véhicule, peut-être qu'ils veulent déposer ça d'ici peu de temps. Donc, il faudra que, si, comme il y a moi, on peut. Attends, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, les filles sont déjà fatiguées. Ils croient que peut-être le Cameroun, parce que le Cameroun les appelle chaque 22h. Chaque 22h, oui. C'est là où lundi matin, je me lève, je dis à sénateur, écoute, moi je vais aller là-bas enlever les filles. Avec ou sans vous, moi je vais les enlever là. Donnez-moi seulement un seul Ivoirien qui peut bien, parce que je peux partir là-bas, peut-être les filles ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas, oui. Mais s'il y a un Ivoirien qui peut les arranger, les parler que non, nous sommes venus parce que le Cameroun les disait que non, il y a une société Ivoirienne qui va venir. Il me dit, appelle Dao, j'appelle le petit là, après il me dit, je l'appelle dans 10 minutes, il me dégauche, j'appelle le sénateur, il dit, sénateur, non, le président Gogo a dit que dans l'après-midi ou bien demain, on va. Je dis, mais les filles, tu es sûr qu'on nous rencontre ce temps-là? C'est là où je m'engage, je prends peut-être mes 5 petits, on part là-bas. Bon, les filles n'avaient pas d'adresse. Il y a une qui parlait bien français, parce que les 3 autres ne savent pas écrire ni lire. Ouais. Les filles Djoula. L'autre, on leur dit, comme tu n'as pas d'adresse, va. Fouille dans la maison. Il est parti d'eau et courant. Voilà. Prends l'adresse, tu nous relèves, tu nous envoies. Ça, la fille prend l'adresse, elle nous envoie. Elle vous envoie. Quand elle nous envoie, maintenant, c'est à bas de cette adresse, nous sommes partis jusqu'à Val-Fleury. On a détecté le meuble. Ouais. Ce matin-là, vers 9h, on est arrivé. Nous sommes tombés même à le meuble. Ok. Quand tu as fait le meuble, tu peux entrer. Ouais. On voit l'occasion, on dit ok. Voilà, il y a. Nous sommes ici à l'étage 5, à Val-Fleury. À l'appartement 5, 5e niveau, porte 17. Est-ce que tu peux appeler la personne qui est là? Il dit pourquoi? Il dit appelons la personne, on veut voir cette personne. Il appelle, on dit ah, il y a certains Africains sénégalais qui veulent te voir. Il dit on passe à la vidéo parce qu'il y a une vidéo de surveillance. Ouais. Il faudra qu'ils nous voient d'abord. Ouais. Il dit qu'elle ne me fait pas voir la vidéo. Il dit ok, comme on peut faire la vidéo, on ne veut pas nous voir. Il dit bon, ok, gardien. Il y a deux filles ivoiriennes, parce qu'il y a deux à Californie, mais on n'a pas commencé par les frères Marif. Il y a deux filles ivoiriennes ici là qui sont. Séquestré depuis 7 mois. Si on ne le fait pas sortir maintenant, voilà, ce qui va se passer, c'est l'entrée de meubles, ça ne sera pas bien. Le gardien nous dit ah, nous sommes là, on travaille au compte d'une société. Donc, si vous voulez, si vous êtes tellement énervé, au lieu de faire le bruit ici, là, vous allez perdre votre raison, appelez plutôt la police. La police. J'appelle le sénateur, lui dit écoute, moi, je suis d'accord, vous allez dire que vous ne venez pas, moi, je vais appeler la police.
je laisse mes trois petits là. Mm-hmm. Moi, avec un autre petit, je démarre la voiture, je m'en vais au commissariat le plus proche. Ouais. On me dit que non, c'est le 6e, c'est pas ça qui est fait pour ça. Il va au 13e. Mm-hmm. Je pars encore là-bas vers Yakou Mansour, au 13e. Mm-hmm. Je m'en vais voir je vois le secrétaire du commissaire, il dit, écoute, il y a séquestration là-bas, là, deux filles voilées. Je lui explique comment le cas s'est passé. Mm-hmm. Il me dit, ce sont tes soeurs. Je dis, mais vous voulez, ce sont mes soeurs ou pas? Ce sont les Africains. Nous sommes une association des Africains ici, là, mais nous ont fait part parce que les familles se plaignent. Mm-hmm. Il dit, attends le commissaire, j'attends le commissaire. Mm-hmm. 20 minutes, 30, 1 heure du temps. Mm-hmm. Le commissaire vient là dans le bureau avec une femme. Il faut encore peut-être 35 minutes. Mm-hmm. En temps là-bas, il m'appelle là-bas. Mm-hmm. Quand le commissaire sort, c'est le secrétaire qui lui explique là où tu vois. Hein, il y a un cas comme ça que l'Africain m'a expliqué comme ça, mais mm-hmm. ça va se passer comment? Le commissaire dit, mais envoie les motos là-bas, mm-hmm. les jumeaux. Mm-hmm. Il m'appelle dans son bureau, il dit, ok, on va voir les jumeaux. Donc avant que tu arrives, tu vas trouver les jumeaux, on va dire, je ne suis pas sûr de vous, vous êtes souvent comme ça, vous voyez, parce qu'on va me dire, donnez-moi les jumeaux aussi, appelle les jumeaux devant moi. Il dit, mais monsieur, je te dis, va là-bas, tu vas trouver les jumeaux, donne-moi seulement l'adresse, je lui donne l'adresse. Mm-hmm. Il me dit, va là-bas, les jumeaux vont venir. Mm-hmm. J'ai dit, vous, tu veux qu'on fasse là que quelqu'un part à 13h. Les jumeaux viennent à 23h, ça veut dire que voilà, tu peux trouver les jumeaux. Mmh. Ça veut dire pas, je roule, après j'ai un jumeau. Mmh. Ça veut dire pas.